notifier d'abord à la personne concernée avant d'être transmis à la presse. Donc, jusqu'à ce qu'il m'envoie son huissier de justice, comme il l'a fait jusqu'à présent, pour me notifier un décret, je considère être dans l'information générale comme tout le monde. Et donc, je ne peux pas garantir de la réalité de l'acte ni de l'existence d'un acte qu'on nous apprend par voie de presse. Je ne suis pas autrement surpris parce que déjà dès vendredi ou jeudi, j'avais déjà appris que le président Macky Sall avait déjà signé son décret avant de prendre son avion, qu'il avait mis la pression sur ce simulacre de conseil de discipline pour avoir un avis, lequel avis qu'il avait déjà lui orienté en lui disant que je veux tel type d'avis. Avant qu'il voyage le vendredi, il avait déjà signé son décret. Je l'avais appris, j'en avais fait part à mes avocats et j'attendais simplement la suite des événements. Alors, je ne suis pas autrement surpris parce que cette affaire traduit encore le caractère de l'homme qui dirige ce Sénégal, un homme violent, totalement incompétent, puisque vous avez remarqué que jusqu'à présent, il est incapable, lui et tout son arsenal de communicants, de répondre sur les questions de fond que nous avons soulevées, sur tous les scandales qui jalonnent son régime. Aucune réponse de fond n'a été apportée à ce qu'on a dit jusqu'à présent. Et à la place, comme il le sait le faire, comme il a toujours fait, il emprunte la violence d'État. Mais je dis que c'est les faibles qui se réfugient derrière l'appareil d'État pour essayer de réprimer.